Salut les Lensois, ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, on va se demander qui est la meilleure recrue estivale du RC Lens depuis le début de la saison. Alors tout d'abord, rappelons qu'il n'y a pas moins de 9 joueurs qui ont rejoint les rangs du RC Lens lors du dernier mercato estival. Alors il y a Morgan Gilavogui, Niel Aïl-Yanaoui, Abdou Kodir Kouchanov, Oscar Cortez, Eliwahi, Ruben Aguilar, Fetu Mawasa et Nampalis Mendy. Voilà les 9 joueurs qui ont rejoint le RC Lens cet été. Je ne compte pas Tige Pirink puisqu'il est déjà reparti en prêt du côté de Toulouse. Alors pour en revenir à la question, pour moi ça se joue entre 3 joueurs: Eliwahi, Ruben Aguilar et Nampalis Mendy. Et je vais tuer le suspense tout de suite. Pour moi, c'est Eliwahi qui est pour l'heure la meilleure recrue estivale du RC Lens depuis le début de l'exercice 2023-2024. Même s'il a mis 6 matchs à ouvrir son compteur avec le RC Lens, l'ancien Montpelliérain semble parfaitement s'adapter au jeu lensois et à son nouveau club. Et les 30 millions d'euros investis par le club artésien ne semblent pas lui peser pour le moment. Et il a aussi mis des buts importantissimes depuis son arrivée au RC Lens, et notamment en Ligue des Champions, lors de la victoire contre Arsenal et lors du match nul concédé à Bollaert aussi, face au PSV Eindhoven. Donc derrière Eliwahi, vous l'aurez compris, je mets Ruben Aguilar et Nampalis Mendy. Le premier, arrivé en provenance de Montpellier aussi, se font parfaitement dans le paysage lensois, aussi bien sportivement qu'humainement, et s'est déjà imposé comme un titulaire plus que régulier au poste de piston droit. Quant à Nampalis Mendy, arrivé libre dans l'Artois après le mercato estival, il s'est déjà imposé comme le patron du milieu de terrain lensois, faisant notamment de grosses prestations en Ligue des Champions, tandis qu'en Ligue 1, il joue un petit peu moins. Voilà donc pour l'instant mon top 3 et mon top 1 des meilleures recrues estivales du RC Lens depuis le début de la saison. Alors merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne But Football Club et nous dire vous qui vous mettez comme recrue estivale la plus performante depuis le début de la saison.